lorsque les chirurgiens sont venus me rencontrer, effectivement, la première remarque que j'ai eue, c'est effectivement un coût beaucoup plus important sur les gants sans latex, hein, puisque les gants sans latex coûtent le double. Mais il ne faut pas s'arrêter là. C'est-à-dire qu'au niveau de la direction des achats, on a vu l'ensemble, le coût global de l'opération zéro latex au bloc opératoire. Et on sait qu'aujourd'hui, le bloc peut fonctionner bien mieux sans latex, puisque du fait de la présence de latex dans les gants qui étaient utilisés, un certain nombre de patients devaient être programmés différemment et la présence en fait de latex générait de gros dysfonctionnements au niveau des salles du bloc opératoire. L'économie générée par la meilleure organisation au bloc, eh bien cette opération qui a priori coûtait plus cher en dépenses, permettait de faire une économie globale beaucoup plus importante pour l'hôpital. Et donc, du coup, on a donné notre accord pour pouvoir passer au zéro latex.